Voilà, mais Bruno Sabri, capitaine heureux ce soir. Ouais, heureux, bien sûr. Déjà par rapport à ces trois points, par rapport à la prestation, on a confirmé le match de Beauvais et surtout, bon, la passion de ce soir. Ce soir, on est maintenu. Voilà, c'est vrai qu'une entame de match où les Parisiens ont été un petit peu attentifs. Et vous avez su mettre la pression et puis mettre les buts d'entrée, donc ça vous a permis un petit peu de vous libérer aussi. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est vrai qu'il fallait mettre un peu de rythme, attaquer tous les ballons, être plus agressif qu'eux. C'est vrai qu'ils n'avaient plus rien à jouer par rapport à nous. Et c'est vrai qu'on a marqué ses buts rapidement et ça nous a libérés, on a joué. Il y a eu des bonnes phases de jeu. Voilà, puis la deuxième mi-temps où ils ont su quand même vous faire un petit peu redescendre dans votre défense, pousser un peu plus, apporter des ballons et vous avez montré aussi une très très belle défense. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait à une deuxième mi-temps à être dominé, parce qu'on avait rentré en attaquant en plus, on a subi, on a eu moins la maîtrise du jeu et c'est vrai que bon, on a été solide derrière et dans l'ensemble c'est... Voilà, puis les trois points pour le maintien. Voilà, tout à fait. Depuis ce soir, on est maintenu avec 41 points. On pourra finir cette saison plus relâchée, quoi, voilà. Avec de pression. Peut-être un petit peu déçu aussi d'avoir perdu quelques matchs. Ouais, complètement. Bon, c'est vrai que d'avoir joué à Marignane, ça ne nous a pas aidé. Parce que, bon, vu l'état du terrain, et voilà, on n'était pas à la maison, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on aura des regrets. Voilà, peut-être que pour l'année prochaine, ça vous permettra de mieux préparer les matchs et d'avoir un peu plus d'expérience, d'être aussi. Voilà, tout à fait. C'est vrai que bon, les trois quarts de l'équipe n'avaient jamais évolué à ce niveau. Donc, c'est vrai que ça va nous servir de leçon et on va progresser après. Ouais, espérons que le championnat pour l'année prochaine, vous ayez aussi une belle équipe. Ouais, voilà, mais de toute façon, déjà, on avait une très belle équipe, je pense. Oui, en plus, bien sûr, de pouvoir avoir d'autres joueurs qui vont remporter l'équipe, voilà, c'est ce que vous voulez dire. C'est vrai que ce qui nous a manqué, peut-être, c'est des joueurs un peu plus expérimentés. C'est vrai qu'on a de très bons jeunes, mais c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être d'avoir un ou deux anciennes de plus, ça aurait été intéressant. Et puis ces jeunes auront l'expérience l'année prochaine, donc vont vous apporter aussi beaucoup de... Voilà, ils auront appris pendant une saison et c'est vrai qu'ils vont se servir des erreurs commises cette saison pour pas commettre les mêmes erreurs l'année prochaine. Voilà. Puis les derniers matchs, un peu plus libres, dans la tranquillité, dans la tête pour jouer les derniers matchs. Voilà, complètement, ouais, ça fait que... Sans pression. Voilà. À Beauvais, c'était l'état qu'il fallait jouer sans pression et là aussi, c'est vrai que ça a payé. Ben écoutez, merci et puis bonne continuation. Merci bien.